Alors, bonjour, bonsoir, salut chers amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la attention Alpha Omega coin de pépin à côté à 100 dollars. Mythe ou réalité, en tout cas, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Après, donc, ici c'est service, en fait. Je ne sais pas si c'est trop dit ou bien. On va revenir là-dessus à la fin donc, de ce tutoriel. Après, ICC Service, une grosse escroquerie, pire que l'IL plus mal en téléchargement au vu et au su des autorités béninoises. Nous allons revenir là-dessus, mesdames et messieurs, mais avant, retenez tout simplement que moi, je ne suis pas. C'est pas moi. Je ne suis pas. Partisan du statu quo. Non, pas du tout. Je ne suis pas partisan du statu quo. Le progrès, c'est ce qui donne le sens à la vie. Donc, il faut y croire. Il faut y croire. Il faut que nous ouvrions nos bras pour accueillir le changement. Là, je reste convaincu, hein, que c'est ça qui va nous permettre d'ailleurs de nous affirmer dans ce monde ici-bas. Moi, avant d'aller loin, je tiens déjà à vous demander de vous abonner, d'activer la notification pour ne rater aucune donc, de nos prochaines vidéos. Ici, nous parlons de la bourse, nous parlons du métavers, nous parlons des crypto-monnaies. Et puis voilà, de bonnes factures, bien entendu, des crypto-monnaies de bonnes factures. Et nous vous alertons également sur les plans d'arnaque, les stratégies de scam. Et qu'est-ce que je sais encore, mesdames et messieurs? Chers amis, à tout seigneur, tout honneur, ce n'est pas facile. Voilà, si c'est pour parler là, on peut parler, bavarder et puis tout ça là. Mais dans le feu de l'action, franchement, ce n'est pas la joie. Là, je voudrais parler de l'entrepreneuriat. Entreprendre, ce n'est pas la joie, pas du tout. Et je salue cet homme, je salue le CEO de Alpha Omega Coin. C'est Abraham, je crois, oui. Abraham, le Béninois et le compatriote d'ailleurs, je le salue pour tout son combat, hein, pour tout son combat, non seulement dans le monde des affaires, dans le monde cryptographique, mais aussi pour la libération de l'Afrique en général, hein, si vous voulez, et du reste du monde, de la dépendance financière. Moi, je tiens véritablement à le remercier. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, je pense que l'un de nos rôles, c'est d'amener chaque membre donc, de cette communauté à être attentif, d'accord? À être attentif, à être éveillé, à savoir les décisions, et surtout financières, à savoir prendre les décisions financières lorsqu'il le faut. C'est très, très important. Et puis, et c'est d'ailleurs dans ces ordres d'idées que nous nous donnons la tâche, la mission, le devoir, la responsabilité, si vous voulez, de vous parler donc de cet écosystème qui fait du bruit ces derniers temps. Chers amis, c'est vraiment important de reconnaître tout le mérite de l'homme. Alors, quoi qu'on dise, il faut que nous devons reconnaître le mérite de l'homme parce que grâce à lui, je parle bien sûr d'Abraham, hein, je parle d'Abraham, le promoteur, bien entendu, de Omega, de Alpha, Omega, Coin. Je parle bien sûr de lui. Il faut reconnaître tout le mérite. En fait, tout le mérite lui revient parce que grâce à lui, je reste convaincu que des milliers de personnes, des milliers, pourquoi pas des millions de personnes ont quand même au moins entendu une fois parler des crypto-monnaies et tout ça là, c'est à son natif. Ça fait vraiment plaisir et ça fait encore plaisir de savoir qu'un Béninois, un Africain, alors développe un écosystème de telle envergure qui a traversé la frontière et voilà, ça fait vraiment plaisir. Mesdames et messieurs, je ne suis pas ici pour tirer de boulets rouges hein, sur tout ce qui est fait, pas du tout, pas du tout, mais j'ai quand même quelques interrogations, j'ai certaines inquiétudes que je voudrais partager avec chaque membre de la communauté, et bon, quitte donc aux uns et aux autres de foncer ou bien de prendre du recul et de réfléchir afin de prendre des décisions plus sages. Mesdames et messieurs, je vais commencer par jouer, je vais dire, quelques audios en fait, deux audios, hein, deux audios, un audio venant directement
de monsieur, comment vous appelez, monsieur, venant directement du promoteur, je voudrais parler du monsieur Abraham. Et par la suite, un autre audio venant d'un des membres, des réseauteurs, excusez-moi du terme, parce qu'il n'y a pas autre mot pour qualifier celui-là du réseauteur, même si ce thème-là, ça dérange les membres donc, de l'équipe, mais c'est la réalité. Alors donc, on va écouter le promoteur d'abord, d'accord, sur le prix de cotation, en fait le prix du listing de la monnaie, parce que c'est ça qui a attiré d'abord mon attention. J'ai poursuivi les recherches et j'ai vu qu'il a fait quand même un travail remarquable. Je dis, il a fait un travail remarquable. Et à la suite là, on va voir quand même si tout ce travail-là qu'il a fait, si c'est tenable dans le temps, si c'est si ça respecte la décentralisation tant prônée, tant exigée, en fait, tant prônée par Satoshi Nakamoto et lui-même, le promoteur de Alpha Omega Coin, si, en fait, tout ce travail-là qu'il a fait, si ce travail-là respecte la décentralisation, si, en fin de compte, tout n'est pas centralisé dans la main d'une seule personne, dans sa main, et voilà, on aura le temps de revenir là-dessus. Donc, on va l'écouter au sujet, à propos donc du prix de cotation, d'accord? De la hausse au plus grand temps le 31 prochain, on va revenir là-dessus tout à l'heure et vous aurez donc l'occasion de le savoir. Écoutez-le. Par la cryptosphère. Désolé, hein, parce que là, je suis en train de découvrir. Responsabilité limitée. Faut qu'on aille vite. Singe. Estonie. D'administrement 7-9-96-48-42-10. Je m'arrête là. Écoutez-le, écoutez-le, parce que là, je risque Alpha Omega de vous faire Coin. perdre le temps. Donc, on va l'écouter, d'accord? Sur le prix, d'accord? Sur le prix, 100 dollars. 9 septembre 2023. Mise à jour de l'administration AOC à la communauté AOC internationale. Très chers braves et vaillants AOCiens de valeur. Bénédiction divino-christique sur vous. Amen. Comme vous le savez, grâce à la crypto-bourse de droit singapourien, Coinstore, qui qualifie le projet divinement inspiré Alpha Omega Coin, en abrégé projet AOC de super, et qui a déjà annoncé la cotation en bourse à tout moment en 2023, du jeton AOC BEP 20 sur sa plateforme à 100 USDT comme valeur unitaire minimum départ. C'est ça qui m'intéresse. Ça a attiré mon attention. La monnaie sera listée à 100 dollars. Alors là, quand un novice apprend ça, il va courir pour investir. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention. Et Monsieur Abraham lui-même, il sait, on est en bourse. Et quand vous lisez même tous les documents, c'est toujours mis en bas de faire toujours vos propres recherches. Donc, ce n'est pas parce que lui a dit cela que vous allez courir pour aller investir, espérant. Donc, dès le listing, la monnaie à 100 dollars. La monnaie là pourrait être listée, j'ai dit pourrait être listée à 100 dollars et quelques secondes après se retrouve à 0,0 et quelques dollars. C'est possible. Donc, il faut faire très, très attention, surtout lorsqu'on est en bourse. Et j'insiste encore là-dessus parce que nous, notre rôle ici, c'est de faire en sorte que tout ce que les gouvernants, ce que les organisations étatiques, ce qu'ils pensent, ou bien ce qu'elles pensent de la blockchain, que cela, que nous ne leur donnons pas raison. C'est très important parce que un novice qui apprend cela, il va courir pour aller investir, espérant, voilà, il ne va même rien creuser, espérant que voilà, déjà, au listing, lui va AOC, je pense hein, que AOC n'a pas. Je présume que ce n'est pas leur intention de dire que la monnaie sera cotée à 100 dollars jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, non. La monnaie peut être listée aujourd'hui à 100 dollars, en fait, tout de suite à 100 dollars, mais les secondes qui suivent, ça va descendre. Bon, en fait, peut-être que ceux qui sont dans le domaine, ceux qui sont avec l'AOC, ils peuvent me prouver le contraire. Je ne refuse pas, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais au listen, on verra bien. On verra bien au listen. Et ce qui, bon, en fait, quelque part, ce qui pourrait aussi donner raison aux gens, c'est que l'administration AOC a mis en place des mesures, entre guillemets, des mesures qui empêcheraient ce que nous appelons la baisse sauvage, d'accord? La mort de la monnaie, tout simplement. Mais
On aura l'occasion de revenir là-dessus. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que c'est décentralisé, ça? Comment ça va se passer? Est-ce que l'argent de tout un monde entier ne se retrouverait pas dans la poche d'une seule personne? En fait, c'est des inquiétudes. C'est des inquiétudes que moi, personnellement, j'ai. Les amis, allons voir le nombre, allons voir les caractéristiques, hein, les caractéristiques de la monnaie, le BP20, bien entendu, donc le réseau BP20. Alors, on voit un peu les caractéristiques. Et donc, ici, comme vous pouvez le voir, nous avons les caractéristiques, mais ce qui m'intéresse, bon, ce n'est même pas les thèmes techniques, parce que quand on dit fonction de verrouillage et de déverrouillage de clés publiques, c'est technique. Quand on dit fonction d'incinération manuelle, c'est technique. Et quand on dit fonction de pause-relance, c'est lui seul qui sait, en fait, c'est l'administrateur qui sait ce qu'il met dedans. Donc, tout peut arriver à tout moment. Quand on dit fonction de mise à niveau, tout ce qui va avec. Maintenant, caractéristiques supplémentaires, un, par mois et du 1er janvier, etc. Donc, ça, on peut dire que c'est du passé. Parce que, bon, c'est vrai que janvier 2024 est devant nous. C'est passé, c'est du passé. Et encore que les pièces ne sont pas encore distribuées aux gens. À ce que je sache, hein, mettez en commentaire si vous pensez que je suis en train de dire de n'importe quoi. Alors, par mois et du 2 janvier 2024 au 1er janvier 2026, les détenteurs d'AOC BEP20 ne peuvent pas dépasser une transaction de 15% du solde total dont ils disposent le premier jour du mois. Alors, celui qui voit ça là seulement et qui ne creuse pas, il va tomber dans un piège très grave. Il va tomber dans un piège très grave. Bon, on aura l'occasion, hein, j'aurai l'occasion de décortiquer point par point les différents aspects de cet écosystème-là. On va parler de ça sur cette chaîne Union TV, bien entendu. Alors, donc là, je m'arrête ici. Si je m'en tiens seulement à ceci, d'accord? Si je m'en tiens seulement à ça, j'ai lu dans leur groupe Telegram, un instant, je vais voir si je peux retrouver rapidement l'information. J'ai lu dans le groupe Telegram que déjà, celui qui, c'est pas moi, celui qui détient, un instant, on va voir. Celui qui détient déjà, c'est pas moi. Celui qui détient, celui, en fait, avec 10 dollars, vous pouvez obtenir 8 000 pièces. J'ai lu ça quelque part ici, un instant. Un instant, on ira rapidement, c'est le 27 octobre, je crois bien. Le 27 octobre, un instant, on va défiler rapidement et aller voir. Et allez voir, et on va faire un petit calcul, vous allez voir. On va faire juste un petit calcul, c'est-à-dire que celui qui s'arrête juste à ce niveau-là, qui n'a pas creusé, c'est pourquoi on dit il faut toujours faire vos propres recherches, il faut creuser, il faut aller en profondeur avant de prendre quelques décisions que ce soit. Avant de prendre quelques décisions que ce soit, oh là là, la connexion est en train de bugger. Et si c'est le cas, je zappe et je continue parce que j'ai les preuves de ce que je suis en train d'avancer. Et ceux qui sont dedans, ils savent que j'ai les preuves et que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Je ne veux vraiment pas vous faire perdre le temps. Voilà, ça prend du temps. Hein. Là, il y a updating, tout ça là. Un instant, je vais voir. C'est sûrement parce qu'ils continuent d'envoyer des messages parce que bon, je vais voir si en procédant ainsi, ça peut aller vite. Qu'on aille toucher du doigt de quoi vraiment je suis en train de parler, chers amis. Un instant. Oh là là, toujours pas actif, c'est bon maintenant? Non, ça, voilà, je vais décaler un peu. Voilà, un instant. Oh là là, ça reprend encore, donc la connexion est en train de me créer des ennuis. Alors là, bref, ce qu'il faut retenir, tout simplement, d'accord, ce qu'il faut retenir, c'est que à un moment donné de l'histoire, avec 10 dollars, vous pouvez avoir 8 000 pièces. 10 dollars, vous pouvez avoir 6 000 pièces. 10 dollars, vous pouvez avoir 2 000 pièces. Ça dépend de la période au cours de laquelle donc, vous avez décidé d'investir dans l'écosystème. Mesdames et messieurs, ce qui est intéressant, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est que lorsque je prends ici, je m'arrête ici, on dit par mois et du 2, c'est pas moi. On dit par mois et du 2 janvier 2024, donc dans quelques jours, au 1er janvier 2026, les détenteurs d'AOC ne peuvent pas dépasser une transaction de 15%. Et donc, quand on parle de transaction de 15%, donc je suppose que le monsieur, il a investi par exemple. J'ai lu, d'accord, j'ai lu, oh là là, j'ai vraiment envie de vous faire toucher du doigt de quoi il est question. Voilà, je pense que là maintenant, c'est bon.
Voilà, je ne vais pas parler en l'air. Je veux qu'on touche du doigt la réalité. Voilà. Le 27 octobre, voilà, je pense qu'on s'y approche. On s'y approche. On s'y approche. On est déjà là. Nous sommes le 31 octobre, le 27. Oh là là, on vient de dépasser le 27, je crois. Donc, je vais descendre légèrement. Je descends légèrement. Oh là 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 là, un instant, on lève complètement, aller encore en haut. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Vous avez déjà investi ou bien vous avez l'intention d'investir, le mieux c'est de prendre la disposition maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si vous espérez, en fait, si vous n'espérez rien, d'accord, et le miracle se produirait, alors là, c'est mieux que d'espérer et par la suite, là, ça ne marche pas, là, ça devient encore plus dangereux. Alors, donc, un instant, je suis en train donc d'explorer un peu leur plateforme pour. On est à quelle date déjà là? On est à quelle date ici? Le 3 novembre. On va continuer. Le 1er novembre déjà. Le 31. Et paf, on est le 28. Et après le 28, c'est le 27. Bon, il veut m'avoir encore, je descends. Voilà, le 27 ici. Voilà, donc ce que je voudrais vous montrer, c'est ceci. Regardez bien, à un moment donné de l'histoire, vous pouvez acheter. Hein. En fait, c'est de façon, c'est pré-vente, comme on le dit, d'accord? C'est pré-vente, comme on le dit, donc c'est de façon, c'est programmé. Ceux qui viennent tôt, ils prennent à moindre coût. Ceux qui viennent plus tard, ils prennent plus cher, etc. C'est la vie même qui est comme ça. Hein. Donc, 10 USDT donne 8 000 AOC. 20 USDT donne 17 000 USDT et AOC. Donc, celui qui s'arrête juste à ce niveau-là, c'est pourquoi il est très important de prêcher vos propres recherches. Donc, celui qui s'arrête juste à ce niveau-là, donc lui, il va estimer que dès le 2 janvier prochain, lui peut aller retirer 50%, mais pardon, 15% de son investissement. Ce n'est pas vrai. On va faire le calcul, vous allez voir. Donc, je viens ici et je vais prendre rapidement la calculatrice en ligne ici et on va faire un petit calcul et puis vous allez voir. La monnaie, selon, on a écouté tout à l'heure l'audio, il a dit que la monnaie sera cotée à combien? À 100 dollars, s'il vous plaît. À 100 dollars. Alors, donc, je prends celui qui a investi 20 dollars, il a 17 000 pièces. Hein? Il a 17 000 pièces. Qu'est-ce que je fais? Il a 17 000 pièces. Donc, je mets les 17 ici, d'accord, les 17 000. D'accord, je mets les 17 000 multipliés par combien? Multiplié par 15, donc 15%, d'accord? Multiplié par 0,15, disons, pour aller vite, 0,15. Je pense que je suis un mathématicien, je pense que c'est bien ça. 0,15, et voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne 2 550, d'accord? Ça nous donne 2 550, les 15%, donc dès le 24 prochain. Donc, je vais multiplier ceci, multiplier alors par 100 dollars. Multiplié par 100 dollars, donc ça me donne combien là? Je multiplie par 100 dollars, donc ça me donne. Suivez bien, ça me donne 255 000 dollars, s'il vous plaît, pour avoir investi juste combien? 20 dollars. Donc, ça, c'est la première mise, en fait. C'est le premier retrait. C'est ce que lui va penser. Il va investir. Il va investir. Alors, je multiplie maintenant par 650 parce que on est en Afrique, on est au Bénin. Et donc, ça donne combien? Ça donne 1 million 600. Quoi? Ça fait 1. Ça donne 16 millions, d'accord? 16 millions 575 000. Alors là, on se retrouve dans le cadre encore de Codao, qui a promis 6 000, le listing de la monnaie à 6 000 et quelques, à 6 500 et aux gens. Et puis finalement, on a vu ce que ça a donné. Il faut faire très attention. Alors, mais le développeur, l'administrateur, il n'a pas. Enfin, il est allé loin. Il est allé loin. Et c'est là où ça devient très intéressant. Il est allé loin. Ça là, en fait, c'est quelqu'un, c'est celui qui a fait un tel calcul, c'est celui-là qui n'est pas allé en profondeur dans la recherche, qui n'a pas tout suivi, si vous voulez. Donc, l'administrateur, il est allé loin et c'est ce que nous allons voir. Donc, ici, un instant, on ira prendre le PDF, d'accord, de présentation, donc de quoi je suis en train de parler là, du projet même là. Donc, nous y sommes à AOC International dans le cadre. Attends, 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 ça là, ça ne nous intéresse pas. On va descendre pour voir la distribution au finish. D'accord, la distribution qui est faite. Suivez bien ici, plan de distribution détaillé des jetons AOC. Et puis voilà, je descends, tout ce qui reste là, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ici. On dit plan de distribution détaillé des jetons AOC BEP20. Aux détenteurs AOC BEP20 non bourreaux, donc ceux-là qui ont de petites pièces. Donc, de 1 pièce à 10 000 pièces à 10 000 jetons AOC BEP20.
distribué, ou bien durée de distribution, 24 mois. Donc, ça fait 200. Grille de distribution. Donc, on a la grille. On va juste prendre le minimum pour voir si c'est faisable. D'abord, si c'est faisable en termes de liquidité par rapport à ce qui est investi. Et par la suite, maintenant, on va revenir sur le principe de Satoshi Nakamoto pour voir si tout ceci-là, bon, d'abord, de façon, en fait, si tout ceci respecte vraiment la décentralisation dont Satoshi Nakamoto nous, en fait, dont Satoshi Nakamoto nous conseille, en fait. Les amis, suivez-moi. Lorsque, donc, tu as 1 à 10 000 pièces de AOC BP20, c'est que, 20, en fait, toi, la répartition est faite sur 2 ans. D'accord? Donc, 24 mois. Premier mois, là, tu vas prendre 1%. Deuxième mois, 1%, tant, 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 jusqu'au sixième mois. Donc, 1%. Ça peut aller. Alors, celui qui a investi, donc, je suppose que la personne a 8 000 pièces. Prenons juste cela. D'accord? Ou bien, supposons que la personne à 10 000 pièces. Et quand on dit la personne avec 10 $, la personne a 8 000 pièces. Donc, ça veut dire que approximativement, si la personne a investi il y a 12 $, 14, 15, 12 $ ou 13 $, la personne pourrait avoir il y a 10 000 pièces. C'est ce que ça veut dire. Donc, j'ai investi 13 $ et j'ai 10 000 pièces. Je prends cet exemple-là. Ça va me donner combien? C'est 1%, n'est-ce pas? Allons sur, comment on appelle? Prenons la calculatrice, hein, pour examiner, pour faire un peu le calcul et ensemble, nous allons voir ce que ça va donner. Donc, ici, lorsque j'ai, c'est pas moi, voilà, j'ai, on passe par où ici pour supprimer même le truc là, voilà, je pense que c'est ici, hein, voilà, c'est ça. Donc, la personne a 10 000 pièces, d'accord? Et c'est la distribution qui est officielle, ça. C'est ce qui est officiel. Donc, je mets les 10 000 pièces ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça dépasse, hein? Voilà, ça dépasse. Je supprime un peu. Voilà, donc ça fait 100 000, 10 000 pièces. 10 000 pièces. Et les 10 000 pièces, la personne doit retirer 1% lors du listing. D'accord? La personne va retirer 1%. Donc, je vais multiplier ça par 1. Et par 1 sur 100. D'accord? Donc, fois 1, ça va donner toujours la même chose, égale sur 100. D'accord? Je pense que c'est bien ce qui est dit là-bas, hein? Sur 100. Donc, ce qui donne 10 $. Et ce qui donne quoi? C'est 100, hein? C'est 100 pièces? Bon, en fait, oui, bien sûr, ça donne 100 pièces. D'accord? Donc, la personne a droit à 100 pièces. D'accord? La personne peut aller retirer 100 pièces. Je ne sais pas si j'en ai dit n'importe quoi. Hein? Je vais encore faire le calcul pour voir. Hein? Parce que là, 10 800. D'accord? 10 800. Ah oui, bien entendu, ça donne 100. Hein? Ça fait 100 pièces. Donc, la personne pourrait aller retirer 100 pièces. Alors, est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que bon, en fait, ça là, ce n'est même pas ça. Ce n'est pas ça. Nous allons prendre toutes les possibilités possibles. La personne a 10 000 pièces, n'est-ce pas? D'accord? Supposons que la personne a 10 000 pièces, juste 10 000 pièces. Et les 10 000 pièces là, d'accord? On va taper d'abord les 20% sur ça. D'accord? Pour être plus sûr, quoi. 10 000 pièces, c'est ce que la personne a. Et la première grille que nous avions vue là, c'est-à-dire ici, à ce niveau-là, donc, on dit par mois et du 2 janvier 2024 au 1er janvier 2026, les détenteurs d'AOC BP20 ne peuvent pas dépasser une transaction de 15% du solde total. Encore que là, c'est un peu ambigu, d'accord? Mais on va taper d'abord 10%, d'accord? On va taper d'abord, c'est pas moi, c'est combien là? On va taper d'abord les 15% sur les 100%, d'accord? Et sur les 100% là encore, qu'est-ce que je dis? Les 15% là, on va taper encore 1%. Alors là, on a été vraiment large, n'est-ce pas? Donc, je reviens ici, je fais quoi? Je tape les 15% sur ceci. Donc, je fais ceci fois 15, d'accord? Fois 0,8, 0,15, d'accord? Parce que c'est la stratégie anti-gourou, en fait. Donc, ça me donne 1 500 pièces, d'accord? Ça me donne 1 500 pièces. Donc, les 1 500 pièces là, je vais diviser encore par 100, d'accord? Je divise par 100, c'est-à-dire je multiplie par 1 sur 100, parce que le pourcentage, c'est 1%, on a dit, pour les juniors et pour les non-gourous. Donc, je vais diviser ça encore par 100 pour voir le nombre de pièces que ça va me donner. Donc, ça fait 15 pièces. Donc, au total, j'ai 15 pièces. Donc, j'ai le droit d'aller retirer 15 pièces, tout au moins. La monnaie, on m'a dit que c'est coté à 100 $. Je multiplie par 100, n'est-ce pas? Donc, quand je multiplie par 100, regardez un peu ce que ça donne. Donc, ça me donne 1 500 $.
1 500 $. 1 500 $ pour le premier retrait. Pour avoir investi combien? Pour avoir investi 13 $ environ. Donc, je prends les 1 500 $ là, donc multiplié par 650, hein, parce que on est, quoi qu'on dise, c'est ce qu'on utilise pour le moment. Et donc, regarde ce que ça donne. Ça donne 975 000 francs CFA pour avoir investi, comment vous appelez ça? Pour avoir investi tout simplement, c'est pas moi, 13 $. Bon, on va conclure. Parce que là, ça devient très, très intéressant. Quand vous mettez des trucs comme ça dans la tête de quelqu'un, la personne va, il peut aller vendre sa, en fait, il peut aller vendre sa maison et y investir. Mais est-ce que c'est faisable? Est-ce que sur le terrain, donc, en fait, dans la pratique, est-ce que c'est possible? Qu'il vous souvienne, j'ai dit tout à l'heure, quand on dit que la monnaie sera cotée à 100 $, ce n'est pas que c'est automatique. Ça, vraiment, il faut regarder ça. Moi, je fais cette communication gratuite pour AOC. Ce n'est pas vrai. Et je ne suis pas ici. Moi, je suis un partisan de statu quo. Hein. Voilà, tout va bien. On n'a plus besoin de. Non, non. Non, le progrès. Il faut prôner le changement. Il faut accepter le changement. Il faut chercher à aller de l'avant. Mais lorsque la roue est là, il est encore plus facile d'améliorer cette roue-là. Et la roue, c'est la blockchain qui est là. Et la blockchain, en fait, nous parlons aujourd'hui de la crypto-monnaie parce que nous sommes fatigués de la centralisation. Nous sommes fatigués du pouvoir central. C'est bien, c'est la raison. Alors, lorsque vous prenez maintenant le calcul qui est fait, c'est-à-dire les distributions qui est faites ici, là, le partage qui est fait ici, d'accord, au détenteur, c'est la question que tout le monde va se poser, est-ce que d'abord, pour la mise en pratique, pour l'automatisation, ça va prendre extrêmement du temps, d'accord? Alors que les gens, les locaux, ils ont investi pour avoir le retour sur investissement maintenant, ici et maintenant. Alors, l'implémentation, comment on appelle là, l'automatisation, ça va prendre du temps. Parce que tout ceci là, on va automatiser tout ceci dans ce sens que moi, quand j'ai besoin de mon argent là, je vais sur mon téléphone, je prends mon téléphone, je vais dans mon trésor là, et puis je vais facilement manipuler et avoir mon argent chez moi directement. Ce sera très compliqué. Donc, ça c'est le premier point qu'il faut retenir. Ce sera très compliqué. C'est faisable parce que les joueurs, dans 10 ans, c'est possible. C'est possible, la technologie peut arriver. En fait, la technologie, cette technologie-là, là où c'est fait demander cette technologie-là. Mais pendant ce moment-là, les choses seront en train de se faire comment? Manuellement. Et si c'est manuellement, ça veut dire que l'homme est toujours là. Ça veut dire que l'homme est toujours au centre de toutes les décisions. Ça veut dire que l'homme peut décider de ne pas envoyer ou d'envoyer. Là, ça devient autre chose. Et c'est sur ça que je veux attirer l'attention des uns et des autres. C'est sur ça que je veux attirer l'attention des autorités béninoises. De prendre leurs responsabilités. C'est très important. Et même s'il faut, même si entre-temps, les sous, d'accord, si les sous sont, par exemple, déposés auprès d'une institution bancaire indépendante, alors là, ça se comprendrait. Suivez bien mon analyse et moi, je ne suis pas là pour vous raconter des histoires de n'importe quoi. Hein? Non, 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 pas du tout. Je suis béninois, je suis panafricain, je suis, voilà, tout. En fait, je ne suis pas là pour dénigrer le projet de notre compatriote, non, pas du tout. Mais je suis en train de faire une analyse très claire, limpide. Et là, chacun doit prendre ses responsabilités. C'est très, très important. La vidéo est déjà longue. Je vais revenir sûrement sur des thèmes pratiques, enfin, sur des thèmes spécifiques pour amener les uns et les autres à comprendre. Vous avez vu tout à l'heure que celui qui a investi 13 $, alors, lors du premier retrait, le minimum qu'il pourrait retirer, c'est 1 500 $. Alors là, quand vous descendez là, vous allez voir des gens ont des millions de pièces, des millions de pièces dans leur portefeuille. Et donc, c'est de la même manière que ceux-là aussi vont multiplier 1 500 par 10, par 20, etc. Ce que le monsieur est en train de refuser, en fait, ce qu'il est en train de refuser, d'une manière ou d'une autre, c'est que ça va arriver, puis la monnaie va tomber. Il n'y a rien à faire parce que c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Maintenant, lorsque la monnaie est cotée à de tels prix, j'attaque encore maintenant le prix de cotation. Si la monnaie est cotée à tel prix, avec le nombre de crypto-monnaies qui existent aujourd'hui, le nombre de crypto-monnaies qui existent aujourd'hui, alors, qui ira mettre son argent dans de tels, en fait, dans tel projet, d'accord, dont le prix unitaire est à 100 $? C'est très compliqué. Encore que la monnaie, le projet anti-crise est local. N'oublions pas ça. Est local anti-crise. Je ne suis pas là pour dénigrer un projet, non, pas du tout. Ce n'est pas mon job. Le projet est local. Et donc, comme les Béninois, les gens se sont même déjà habitués
au shitcoin où, quand ils sortent 1 $, c'est pour avoir des milliers de pièces, rêvant qu'un jour, ces milliards de pièces-là deviendraient 1 $ pour qu'ils deviennent aussi, eux aussi, dans leur sommeil, riches. Ce qui pourrait venir après leur séjour sur cette terre. Mesdames et messieurs, voilà un peu le tableau. Ce que je tiens à partager avec vous, on va revenir sur le dossier-là, ça c'est sûr. Mais pour le moment, je pense quand même que c'est très intéressant. J'invite les autorités mettre moi, mon vœu, ce n'est pas d'arrêter le processus, non, mais c'est de sécuriser l'argent des gens. C'est très important. C'est de sécuriser l'argent des gens. C'est vraiment important. Il doit y avoir forcément un pourcentage qui serait déposé dans une banque publique. C'est très important. Bon, bref, c'est ce que moi je pense. On va y revenir. Mesdames et messieurs, voilà un peu ce que j'avais à vous dire. C'était votre humble serviteur. Oh, c'était votre humble serviteur, pour vous servir. Pour vous servir, pour vous servir et pour vous servir encore. Nous allons y revenir. On va revenir sur ce dossier-là. Ça, c'est sûr. Il n'y a rien à faire pour le moment. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Activez les notifications pour ne rater aucune donc, de nos prochaines vidéos. C'était votre humble serviteur, Yoyon. Merci beaucoup et on garde le contact pour le sommet. Et je remercie tous les leaders qui m'ont donné, tous les amis. C'est pas vu, on va dire leader là. Je refuse désormais ce thème-là. D'accord? Appelez-moi juste Yoyon. Tous les amis qui m'ont aidé à avoir les informations, je vous remercie. Et continuez à me les balancer parce que ça fait toujours plaisir. Je n'ai pas investi dans AOC. Je ne sais pas si c'est heureusement ou bien malheureusement. Puis voilà. Chers amis, prenez vos décisions en toute responsabilité. Et il faut toujours investir en bourse l'argent dont vous n'auriez pas besoin le lendemain. Parce que, vraiment, quand le pire arrive, et au moment où vous ne vous y attendiez pas du tout, c'est la catastrophe. On garde le contact. À très vite.